Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombardier Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous parler dossier dîner pas de l'eau potable. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardier Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécie ça en pile. Eh bien, nous pas perdre de temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Yon délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement te visité département Sid PIA jeudi 12 décembre 2019 là. Visite ça a été faite dans objectif pour garder qui gens yon série travail dîner pas fait dans plusieurs communes dans département Sid là avancé. Eh bien, c'est information ça nous porter pour vous avec plusieurs autres informations on va joindre. Nous pas perdre du temps, n'a commencé coulier. Nous démarrer première visite de terrain que n'a fait dans département sud là en particulier et visite ça a passé pour salut la privée Rochabato tombé pour rapidement traverser les Anglais pour arriver finalement prendre bout dans la commune Tiburon. Pour qui ça fait citer 6 communes ça yo? C'est parce que dans la commune Cavaillon, il y a un premier travail qui fait avec financement UNICEF, mais il y a une deuxième partie de travail là qui fait avec accompagnement Rotary International pour le Banou. Mais tout au moins, Jean-Président de la République là, Son Excellence Jovenel Moïse toujours dit, il faut que nous fassions boucanet en bouille. Donc, derrière Domlan là, n'a pas remarqué que il y a une station de pompage qui a fonctionné sous panneau solaire, parce que c'est ça le gouvernement central a bas nous comme instruction, et c'est ça que nous toujours avons discuté avec le ministre Fritz Kayo, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, côté que lors utiliser station de pompage qui a fonctionné avec groupe électrogène, li bon, mais des fois, un petit réseau comme ça pas un gros revenu, il y a des difficultés pour le kembe tête li pour compte li. C'est ça qui fait que nous utiliser énergie solaire ça que nous est là. C'est avec un sentiment de joie mêlé de satisfaction que nous saluons présence et directeur du NEPA Guido Edouard Nakai qui fait un gros travail, nous profiter saluer le gouvernement tout parce que c'est à travers c'est un agent du gouvernement et nous jouons de l'eau, nous commençons à jouer. Nous commençons à jouer de l'eau dans le robinet, nous, plus que 5 ou bien 6 années depuis que de l'eau n'a pas coulé, nous commençons à couler. Il est vrai que nous avons une zone qui peut jouer de l'eau, mais à travers le dynamisme que Dinepa, spécialement directeur Guido, a développé avec tout partenaire Lio. Nous croyons que et ça a une réalité, surtout dans l'année 2020, côté de l'eau a coulé dans un pile robinet, et de l'eau a coulé même dans le monde, côté de l'eau pas capable d'arriver à travers des citernes pour que les gens jouent de l'eau, parce que de l'eau c'est la vie. Jean que dîner pas exiger avec Banque mondiale, eh bien, tout au moins, fait liaison entre staff technique là et communauté, bénéficiaire, mairie. C'est ça, nous relé, FIM qui est responsable de sauvegarde environnementale et sociale. Côte Sud là, qui était victime de passage Mathieu, eh bien, Banque mondiale, et Chita avec Dinepa dans le cadre de financement d'un projet qui est le projet EHPAD pour potable assainissement en milieu rural durable, et bien priorité vini au secours à Moun Tiburon. Mais ce n'est pas Moun Tiburon seulement, il concerne les Anglais, communes les Anglais, il concerne communes pour Apiment,
li concerne commune Rochabato, li concerne commune Port-Salut. N'a parlé de 5 gros travaux qui totalisaient ensemble 10 millions de dollars américains à peu près. Nous te gagne pile retard à cause de turbulences, situation sociopolitique dans 5 à 6 derniers mois qui sont passés. Mais il était tout à fait normal devant presse au niveau du département sud là et devant la presse qui sortit pour Port-au-Prince avec nous pour nous deviner garder comment travaux yo a réalisé. Nous content le fait que yo dit nous travaux ça yo à 50% et nous t'a souhaité peut-être avec et nous t'a récupéré retard 4 mois 5 mois pays l'octe ne prend. Et ça va demander pour une chita avec Bayer. Parce que nous risquons de trouver une sous-sanction. Parce que les gens retard ça, faut que nous disons communauté, les gens retard ça, eh bien, dit n'est pas risqué sous-sanction. Bien avant et octobre 2019, nous avons fait face et au niveau de la ville de Kay à une grande difficulté pour nous alimenter Mouyo. Ceci pour qui ça? Le groupe électrogène et qui est actuellement et entrepreneur qui sortit pour Port-au-Prince à Prangela, il était en panne parce qu'il te prend un gaz qui était mêlé avec une substance toxique. Eh bien, le directeur régional, l'ingénieur Philippe Liscard, a informé de ça. Eh bien, avec nous te al chita avec Banque Interaméricaine de Développement, qui pat marchand de collaboration, et immédiatement, l'ité bay avis favorable pour nous te capable d'utiliser, en fait, un gros groupe électrogène, ça, de 450 kW, qui de couleur jaune dans la guerre de nous là, pour nous te capable de transporter. Et ou te capable de songer que, fin octobre, qui gymnastique que nous avons fait pour nous te faire en sorte que, eh bien, le groupe électoral a transporté. Bon, la bonne nouvelle, c'est que avec différents partenaires, nous, et plus particulièrement la Banque Interaméricaine de Développement et l'USAID, eh bien, deux groupes électrogènes et fonctionnels, tout au moins ça derrière Domlan là fonctionnel. L'autre lagon fournisseur qui sortit pour au prince expressément pour ça, qui n'a pas de vini en raison du fait que et route yo pas permettre yo pas même vle passer plus que 3 heures de temps en dans Vilokay quoi que nous te mette un avion avec accompagnement USAID à la disposition yo pas le faire mais moment d'accalmer ça que population ouais qui nécessaire permettre que yo vini sorti pour Port-au-Prince. Donc en d'autres termes et groupe électrogène ça qui pral en fait cap permettre que tout au moins réservoir de 700 mètres cubes qui la savane est alimenté pour être capable d'associer avec 300 mètres cubes qui la. Donc, en d'autres termes, moun nan Vilokay et ses environs pas gen difficulté pour yo alimenter en eau. Mais nous connaissons gen gros effort fait au niveau de CTE de la ville de Kay, plus particulièrement à travers l'ingénieur Altema et qui était coaché par Philippe Elisca en tant que directeur régional.
nous arriver Côte de Fer pour tout au moins avec accompagnement UNICEF pour te montrer ou même cap garder nous là et faut qu'a fait et faut que du n'est pas à faire et faut qu'a fait au niveau de ministère travaux publics transport et communication qui ministère de tutelle du n'est pas et faut qu'a fait au niveau de pouvoir central là à travers son excellence Jovenel Moïse et premier ministre Lapin tout au moins pour nous dire bon côté pas nous au niveau de du n'est pas nous pas chômer nous avons obligation pour nous continuer. Nous allons continuer à faire même travail ça pour nous ouais pour nous apprécier état d'avancement travail qu'a fait à travers financement Banque mondiale au niveau de Port Salut au niveau de Rochabato et au niveau de Port Apiman. M'a parlé de 5 réseaux Port Apiman, Port Salut, Rochabato, les Anglais Tiburon qui joignent financement de la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars américains qui il y a en pile difficulté, en pile retard au niveau de eux-mêmes. Moi dis nous merci et non non population Côte d'Ivoire. Moi dis nous merci et non non population Côte d'Ivoire, nous dis nous merci et du Népal qui te prend belle initiative ça, qui te bon nos système ça parce que mon Côte de fait est vraiment en nécessité pour de l'eau et nous pas de gain vraiment de l'eau et système qui te gain en li pas assez pour mon Côte de fait par rapport avec projet ça green venir mon Côte de fait vraiment gain de l'eau 24 sur 24 et non nos population Côte d'Ivoire là et non non mairie Côte de fait nous dit Népal merci pour vos travail ça la faire et n'a demandé pour continuer faire toujours nous dit lui merci et merci pour bel projet ça que fait pour nous dans qu'elle fait pour nous au niveau mon Côte de Fer. Voilà. Équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.